accueillir pour l'inauguration de cette station. Je vais redonner tout de suite le micro à Pratique qui va vous donner le programme de la journée, mais sachez que quand vous revenez de courir, puisqu'il y aura plusieurs départs avec des parcours différents, avec des accompagnateurs différents, à 11h30 ici, on coupe le ruban et on partage un verre ensemble. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la matinée. Je donne tout de suite le programme à Pratique. Merci. Alors rassurez-vous, il n'y aura pas un verre pour tout le monde, on aura chacun un verre. Fallait le préciser. Je voyais, vous étiez déjà inquiets, d'accord. Ben voilà ce qui va se passer tout à l'heure. Également, le groupe de marcheurs avec Yves Sandler pour 5,5 km. Est-ce que vous pouvez vous regrouper ici, les marcheurs autour de Christian Maire? Les marcheurs ici, voilà. Les marcheurs sont là. Alors je salue tout de suite, j'ai pas eu le temps de voir encore. On va pouvoir, pendant que les coureurs seront partis. Donc un grand départ, avec 1,5 km, départ officiel. Merci aux coureurs de DSA, de Tidel, de Hurst-Rivet. Bonjour. Alors je renouvelle mes bonjours et mes remerciements à tous ceux qui sont présents. Alors vous ajoutez vos meilleurs sourires puisqu'il y a une nuée de photographes au départ. Alors je rappelle que ce départ, 8,5 km, votre moyenne, votre vitesse moyenne sera de 7 km/h. 7 km à l'heure. Donc on vérifie que le service d'ordre est en place pour la traversée. Mesdames, messieurs, vous pouvez prendre vos photos. Il nous reste encore quelques secondes pour la photo officielle du départ de ce groupe de 8,5 km qui va partir sur la première piste inaugurée. Alors je demande à notre régisseur de lancer le signal de départ. Signal de départ. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, partez! Donc voilà, ce premier groupe de coureurs est parti pour 8,5 km sur une boucle qui est guidée, je le rappelle, par le maire de Bure-sur-Yvette, Jean-François Vigier, Benoît Laval, créateur d'une station Trail, Robert Charvin, coureur inoxydable de la manière. 3, 2, 1, marchez! Ah, voilà les coureurs! Alors nous saluons l'arrivée des premiers coureurs qui ont fait ce tour de 8,5 km, qui étaient accompagnés par le maire de Bure-sur-Yvette et les 7 qui ont rattrapé. Thank you.
l'extrême droite. Et le maire de Bourg-sur-Lunette, Jean-François Vigier, sans qui ça ne serait pas arrivé. J'espère que ce ne sera pas à titre posthume cette place. Attendez, voilà, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous approcher, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, toutes les personnes au fond, approchez-vous bien, voilà, parce qu'il y a un peu de vent, on va se tenir chaud. Voilà, approchez bien. Voilà, mesdames et messieurs, Michel, le président de la CAPS. Président de la CAPS. Voilà. Les élus également, les élus s'il vous plaît. Je vois M. Durix là qui vient de courir. Monsieur Durix, Madame Baudin, élu. Voilà. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous demande quelques minutes d'attention, s'il vous plaît. Voilà, le temps que nous vous expliquions, que nous vous racontions l'histoire de cette station de trail. Et je vais tout de suite passer la parole à Benoît Laval de Red Light qui va nous dire quelques mots. Benoît Laval. Bonjour. Alors je n'ai pas pour très long non plus, hein, mais voilà, quelques mots sur la station de trail. Donc tout d'abord, la station de trail cette année de Bourg-sur-Yvette, cette année ce sera la 20e. Enfin, on aura ouvert 20 à la fin du printemps. Donc c'est un concept qu'on a créé il y a 4-5 ans. Qui découle eh bien, la passion du trail et l'envie de partager, de faire partager des parcours d'entraînement et de participer à l'engouement. Donc moi je fais du trail depuis 15 ans, consacré depuis 30 ans. J'ai fait plein de courses, vous pouvez regarder sur internet, voilà. Et puis donc j'ai créé une marque aussi qui s'appelle Red Light, qui sort de la station de trail. Et donc quand on s'est installé en montagne en Chartreuse, on a voulu que les clients viennent courir depuis chez nous. Et donc on a créé des parcours, des vestiaires, des douches, un site internet, une application smartphone. Et puis après on s'est dit que d'autres territoires étaient aussi intéressés et qu'on pourrait donc faire ça ailleurs. Et donc on a créé un réseau des stations de trail. L'objectif il est double, il est à la fois sportif et aussi touristique en termes d'image. Que vous puissiez venir faire du trail si vous êtes d'ici, si vous êtes de plus loin. Ça fait plaisir de voir qu'il y ait des jeunes aussi qui s'y mettent. Voilà, donc après bravo à ceux qui ont travaillé aussi, parce que nous on est là aujourd'hui pour inaugurer, mais il y a des gens qui ont travaillé sur le terrain et qu'on voit pas forcément sur l'estrade aujourd'hui, donc chez nous Francis et puis d'autres qui sont derrière, tous ceux qui ont tracé. Voilà, et puis après ce qui se pose aussi régulièrement c'est du trail à Paris. Alors oui, du trail en région parisienne bien sûr, le trail c'est pas que la montagne. On a ouvert une aussi dans le Pas-de-Calais la semaine dernière, une en Belgique. Pas besoin de montagne, il suffit de chemin, de paysage, et ce matin on a vu qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, Bourg-sur-Yvette, Chevreuse, c'est très bien pour le trail, on est très content d'ouvrir cette station ici avec vous. Merci cher Benoît Laval. Bon, moi je vais vous dire quelques mots. D'abord, je suis très ému ce matin d'inaugurer cet équipement. D'abord, je voudrais rectifier un point. C'est que Patrick a dit qu'il faudrait qu'il y ait deux personnes qui soient sur la plaque. Moi, je voudrais que Patrick soit aussi sur la plaque. Parce que c'est à lui aussi qu'on doit cette passion. Parce qu'au début de l'histoire, Patrick Pilorger, qui, vous connaissez, s'occupe du Red 28, etc. Toujours 1000 projets en tête, il est venu me voir un jour et m'a dit « Mais pourquoi on ne fait pas une station de trail à Bourg-sur-Yvette ?» Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que c'est une station de trail ?» Ben, il me dit « C'est comme une piste de ski, il y a des pistes bleues, des pistes vertes, des pistes rouges, des pistes noires, et puis on parcourir dans des chemins sur des distances différentes. » Et j'ai trouvé l'idée absolument extraordinaire, puisqu'on est dans un environnement exceptionnel. Et je trouve que pouvoir courir en vallée de Chevreuse, sur nos chemins, sur nos plateaux, dans nos vallées, eh bien, c'était une idée formidable que, évidemment, plein de coureurs n'ont pas attendu l'inauguration de cette station de trail pour courir. Mais je pense que ça donnera envie à d'autres de venir pratiquer ce sport, de venir le découvrir. Et puis, moi, je suis très fier aussi ce matin parce que c'est la première station de trail en Île-de-France. C'est la première. Et j'espère que notre territoire, l'ensemble du territoire, et là je m'excuse au président de mon intercommunalité, de la CAPS, mais c'est vrai que cette station a la vocation à devenir intercommunale. Elle l'est déjà puisqu'elle va traverser plein de villages, plein de villes autour de nous, et elle a vocation à s'agrandir bien entendu, et je serai toujours partant pour qu'on essaie de lui donner encore plus d'ambition. Alors ce matin, en guise de discours exceptionnellement,
j'ai énormément de gens à remercier. Énormément. Parce que ça a été un vrai travail d'équipe, dès le départ, avec Arnaud, qui a aussi maire adjoint au sport, qui a énormément travaillé sur cette station de travail. Merci Arnaud. Vraiment pour ton soutien, pour ton merci. Alors j'ai beaucoup de gens à remercier. D'abord, je l'ai dit, Patrick Pilorger. Ensuite, la société Red Light, Benoît Laval, et puis Francis Dujardin, qui a été le maître d'œuvre auprès de nous, hein, depuis le début, et ses collaborateurs, qu'on a vu beaucoup, qui sont venus beaucoup à lui. Et puis, pourquoi cette station de travail, c'est une réussite? C'est une réussite d'abord parce qu'on avait Benoît Laval et Francis Dujardin, mais on pouvait s'appuyer sur un réseau de coureurs exceptionnel. L'équipe du Room, les joggers du dimanche, des gens qui connaissent la région par cœur, les tracés par cœur, et qui ont pu nous construire, nous concevoir ces parcours qui sont exceptionnels. Alors, je vais citer beaucoup de noms. Si j'en oublie, je vous prie de m'excuser, il faudra me les souffler à l'oreille, Patrick, et je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Donc d'abord, dans l'ordre, il y a Christian Bell. Christian Bell, vraiment, qui a été un des créateurs de ces parcours, voilà. Alors Robert Charvin, également, il est où Robert Charvin? Voilà, Jean-François Boissonneau, Bernard Depont. Il est où? Là-bas. Guy Roland. Gilles Vermillon. Oui. Pour son soutien. Sylvain Jacob. Et puis l'association Équipe Turoum, l'association JDL. Alors, on s'est retrouvés pendant plusieurs soirées, des longues soirées à travailler en mairie à ce projet. Donc le groupe de travail avait des participants, je vais en reciter à nouveau Patrick Pilorger, Sylvain Morel, David Turpot, Cédric Tonceau, Elisabeth Sébilo, Odile Hervé, Luc Couturier, Rémi Auffray, Sophie Chabut, Marc Amrich, Patrick Bonneau, Robert Charvin, Stéphane Schubert, Christian Maire, Rémi Mercier, Gilles Montembeau, Jacques Poleni, Gilles Vermillon, Olivier Tribondeau, Sylvain Jacob. Je voudrais remercier les services municipaux. Je voudrais remercier Omar. Omar, il a été exceptionnel. Hier encore, il était dans les bois. On s'appelait toute la journée. Il disait tout va bien, les balises sont là. Merci Omar pour tout ce que vous avez fait. Jocelyne Morel, bien sûr. Responsable de la vie de la cité. Où elle est Jocelyne? Jocelyne Morel, elle est là-bas. Jocelyne, venez là, Jocelyne Morel. Voilà. Les services techniques, bien sûr, l'ensemble des services techniques et le service des sports. Alors, les partenaires, pourquoi? Parce que quand vous voulez créer une station de trail, quand vous voulez aller courir dans des chemins et que vous quittez les limites communales, il y a tout un tas de personnes, d'institutions à qui vous demandez l'autorisation. D'abord, le Conseil Général de l'Essonne, qui nous a autorisé, qui a dû donner son autorisation pour le passage. Le Conseil Général des Yvelines. Le président de l'université, Jacques Pitoune, et ses services ont été très à l'écoute. Le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui aussi a été une vraie aide pour nous et qui nous a aussi autorisé. L'Office national des forêts, très important, et c'est M. Robert qu'on a rencontré à plusieurs reprises dans son équipe. Je tiens à remercier le club de foot Pure Orsay et Christian Hoth d'avoir bien voulu accepter de nous mettre à disposition leur vestiaire pour que les utilisateurs de la station puissent se doucher, ranger leurs affaires. C'est très gentil. Et puis, je voudrais remercier toutes les villes qui nous ont donné leur autorisation pour que nous puissions passer chez elles. Et il y en a beaucoup, il y en a une quinzaine. Donc, il y a Orsay, il y a Villebon-sur-Yvette, il y a Palaiseau, Gomez-le-Châtel, Gif-sur-Yvette, merci Michel, Saint-Aubin, Villiers-le-Bac, Gomez-la-Ville, Choisel, Boulay-les-Trous, Châteaufort, Milon-la-Chapelle, Magny-les-Hameaux, Saint-Rémy-les-Chevreuses et Chevreuse. Voilà tous ces gens grâce à qui nous avons pu faire cette station de trail, mesdames et messieurs. Pour conclure, c'est formidable finalement de courir parce que ça relie les hommes entre eux, ça nous permet d'aller de ville en ville et évidemment à une échelle plus petite que ne l'a fait Philippe Fuchs. Il est là, Philippe Fuchs. Philippe, tu es là. Voilà, toi tu parcourais le monde en courant. Nous parcourons la vallée de Chevreuse à une échelle plus modeste mais tout aussi intéressante. Et finalement, le trail c'est aussi le respect de l'environnement parce que nous sommes tous très attachés à respecter la nature. C'est un esprit d'amitié, de convivialité qu'il nous faut absolument protéger et promouvoir dans des temps si incertains. Voilà, mesdames et messieurs, bonne journée à vous tous et merci encore.
Et on nous dit que Lucie Célèbre, la maire de Gomez, vient d'arriver. Donc voilà, Lucie, merci à toi encore. Et donc le bar réouvre, mesdames. Alors oui, et on va couper le ruban. On va couper le ruban là-bas, mesdames et messieurs. Hein, venez, on va couper le ruban. À ce grand moment historique à Bures-sur-Yvette qui est la coupure du ruban pour ouvrir la station de train de Bures-sur-Yvette Vallée Chevreuse. Ah, moi, je vais laisser ouvert, on a plus besoin de moi. On a partagé les soins, maintenant on va partager le mouvement. Le 4, il est pied là. Il n'y a pas l'air de père en jouer.